Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous vous comportez bien. Ouais, ça va, moi je suis là pour vous donner de la pêche, de la rancœur, de la pêche. C'est ce qu'il y a, la Sahara. Donc, quand on est célibataire et autonome, on dépend que de soi-même. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça, il vaut mieux être seul que mal accompagné ces jours-ci. Moi, je me démerde tout seul. J'achète mon matériel de musculation sans demander l'avis des gens. Je fais ça à ma façon. Je suis raisonnable de moi-même. Donc, quand on est célibataire, on fait comment? Je parle à tous les célibataires. Comment on fait? On est devant la télé, on se boit un carwa, on regarde, on mate des émissions à la télé. Ça va vous faire réfléchir à pas mal de choses. Ça va vous intriguer sur pas mal de trucs pour avancer. Déjà, première étape, vous avez déjà un toit, c'est que vous êtes capable de payer les loyers, vous êtes capable de remplir le frigo. C'est déjà la base de la vie de célibataire autonome. Donc, après moi, ça fait pas mal de temps, je suis célibataire, il n'y en a pas la moitié qu'il me faut parce que je suis assez un peu spécial, mais je suis quand même respectueux, je suis un gros bébé. N'hésitez pas, c'est ma façon de voir. Donc, il faut jamais de dépendre des gens, de compter sur les gens, compter sur vous-même. Vu que cette année-là, elle est difficile, il faut être une femme, être un homme. Après, quand vous allez rencontrer une belle personne, vous allez être autonome, vous savez comment s'y faire. Les tâches de ménage, la bouffe, c'est ce qui est l'essentiel dans la vie de tous les jours. Moi, que moi, Batman Fitness, qui a de l'expérience sur ça, moi, j'ai jamais demandé un bal à quelqu'un. J'ai jamais demandé à quelqu'un, on paye un café, on paye ça, ou un kebab, ou un tacos, ou un panini. Je me démerde tout seul. C'est ce qui fait que vous allez grandir dans la tête, que vous soyez autonome. Un exemple, je prends l'exemple, faire le linge, faire le ménage, faire à manger. Ce qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Batman Fitness, j'ai le savoir-vivre dans la vie de tous les jours et savoir-vivre à la maison. On a deux savoir-vivre. On a l'extérieur et à la maison. À la maison, c'est intime. À l'extérieur, c'est ouvert. C'est pour ça qu'il faut toujours compter sur soi-même. Moi, quand j'ai acheté ma chaise romaine, j'achète qu'à ma tête ce que j'ai besoin. Si j'avais envie de manger des cochonneries, j'ai envie de me taper une pizza, j'ai envie de faire des lasagnes, je demande à personne, je fais avec la volonté de autonome célibataire. C'est pour ça, il faut, même si c'est dur d'être célibataire, on a besoin d'une femme, c'est vrai, c'est parce que vivre seul, c'est pas une vie, c'est voilà, on a besoin d'être épaulé, c'est bien, c'est quand même bien, c'est de la rancœur, c'est de l'amour. Quand on est célibataire, c'est comme on dit, c'est difficile, oui, non, c'est pas difficile, c'est voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'il faut avoir, il faut être une femme, un homme, pour gérer, déjà vous gérer de soi-même. De gérer de soi-même. De tout faire attention. C'est ce qui est on va dire, oui ou non, le plus dur. Non, c'est moins dur parce qu'on a déjà l'expérience de vie qui vous fasse grandir. Chaque jour, vous apprenez des choses. Il y a des choses que vous allez supprimer de la vie. Il y a des choses que vous allez garder en bon exemple.
L'exemple, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous fait grandir dans la tête, c'est ce qui vous fait grandir par rapport à tout dans la vie quotidienne. Pour ça, moi, Batman Fitness, je suis un vrai bonhomme. Moi, j'ai deux potes, des frérots, Fitness Classique 2.0, ils me connaissent, Mika Mika, ils me connaissent. Je suis un vrai bonhomme. Comme on dit, dans la vie, il faut assumer. Quand vous êtes célibataire, il faut assumer ce que vous faites à la maison. Surtout quand je parle beaucoup de la maison, quand on est solo, c'est apprendre des choses. On apprend chaque chose, on apprend un truc tous les jours. Les bonnes choses, on les garde. Les mauvaises choses, on les bannit de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut se donner de la rancœur de soi-même. Il faut se donner de la pêche de soi-même pour réussir. La vie de célibataire, la vie de autonome, c'est ce qui est important dans la vie de tous les jours parce que c'est une grosse importance que ça va avancer dans un bon chemin, même si c'est difficile, c'est pas grave. On a la santé, on a la foi, on se cultive pour le sport, on se cultive pour tout. Voilà. L'essentiel, moi, comme célibataire, je fais de la musculation tout seul à la maison. Je me démerde tout seul. Je cherche mes exercices. Je cherche à me faire plaisir, à me désirer, à de créer mes activités de moi-même, que je dépende de personne. Moi, je suis quelqu'un qui dépend jamais de personne. C'est un truc que je déteste. De compter sur les gens, je déteste. Je compte sur moi-même et sur mon frigo. C'est ce qui est important. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un acte négatif ou positif pour ça. Il y a des coups durs tous les jours, c'est vrai. Il y a des coups durs, des fois c'est dur, mais on apprend la vie avec ça. Quand c'est dur, c'est plus bon. Quand c'est facile, c'est pas bon du tout. Il faut apprendre, avoir des difficultés aussi pour grandir, pour s'assumer tout ce qu'on fait. C'est là que vous allez devenir une femme et un homme. On le voit sur la façon de parler, on le voit sur le comportement, on le voit comment il va réagir avec les personnes. C'est important d'être autonome, célibataire à la maison. C'est pour ça que je vous donne ce point clé, c'est réfléchir des bonnes conditions pour réussir le chemin, le parcours de la vie personnelle, de la vie au travail, de la vie en musculation, de la vie à la maison, de la vie à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut pas mélanger et les torchons et les serviettes. Parce que si on mélange les torchons et les serviettes, on va être angoissé. C'est là que, on va réfléchir. On va se prendre la tête. Ça ne sert à rien. Célibataire, prenez pas vous la tête. Laissez l'avenir venir. Elle vient. Elle vient. Elle vient ou elle repart. L'OLM, on ne sait pas quand on va vivre. Donc, c'était une vidéo de célibataire autonome. Voilà. Gardez le courage, honneur et force pour les célibataires et perdez pas d'espoir et gagnez de l'espoir et gagnez en confiance et gagnez de votre dignité et gagnez à tout et ce sera un point réussi, un point au top. Vous allez être content, vous toujours se sortir le doigt du nez et vous allez voir que vous allez avoir une bonne routine. C'est pour ça. Je vous dis, sur ce, je vous dis, I wanna to biceps, big chest, big cul, big arm. À la prochaine.